À tous bienvenue sur ma chaîne Caro Couture pour une nouvelle vidéo au tissu de Dries Stoffen euh, j'ai fait une commande euh, quand les frais de port étaient gratuits euh, donc voici je vais vous présenter des tissus euh, surtout pour euh, l'hiver et je voulais vous remercier par rapport à ma dernière vidéo qui a beaucoup plu euh, surtout par rapport à je vous ai fait découvrir la marque patidou pour euh, car pour certains beaucoup ne connaissaient pas et euh, ils sont partis voir faire un tour en tout cas sur cette vidéo. Donc en tout cas je suis très contente et merci aux nouveaux abonnés, merci de, aux anciens d'être toujours là. Donc n'hésitez pas à vous abonner, si, à faire un j'aime si vous, vous appréciez cette vidéo. Euh, ça fait toujours plaisir. Euh, moi j'adore euh, commenter vos bah, commenter et répondre à vos commentaires. Donc n'hésitez pas. Donc je, Nous allons commencer par. Mon avis, vous l'aurez beaucoup vu ce tissu. Euh, C'est un lainage. Donc un lainage bleu-vert, vert, vert d'eau. Il y en a qui le voient vert, il y en a qui le voient bleu, n'est-ce pas, Irma <laughs> Donc, voilà. Euh, moi, je le vois euh, bah, vert-bleu. C'est entre le vert et le bleu, j'ai l'impression. Euh, sinon, euh, l'extérieur. Il est comme ça et le devant donc il est c'est des petits traits euh, euh, striés ou ouais, striés en diagonale. Voilà blanc et blanc clair quoi bleu vert euh, clair et un peu plus foncé. Donc ce tissu là ça serait pour me faire parce que du coup j'hésite entre avec le deuxième que je vais vous montrer une surchemise de fibre mood Elle a, je, je crois que c'est ria. Euh, j'avais acheté l'année dernière, non pas l'année dernière, ce que je ne faisais pas, cette année, donc avant l'été, euh, je l'avais eu gratuite. Euh, je l'avais eu gratuite, euh, parce qu'il y avait une offre et on avait droit à un passe gratuit. Et j'avais pris la chemise RIA de Fibre Mood. Euh, je crois qu'ils annoncent 2 mètres, 3 mètres peut-être. Alors j'en ai commandé 2,50 mètres de pire je me suis dit, elle sera plus courte. Et j'ai reçu ce tissu-là, euh, j'en ai reçu 2 ,80 mètres 80. Voilà, pour celui-là. Donc dans tous les cas, ça sera des surchemis, je pense. Donc soit dans le bleu ou soit dans le jaune. Voilà. Alors, ce n'est pas exactement les mêmes intitulés. Mais j'ai l'impression qu'au toucher, celui-là, il va être plus doux. Celui-là un peu moins doux, mais est plus fin peut-être celui-là. Euh, et les motifs ne sont pas exactement pareils. Ouais, pas les mêmes. En fait, il y a euh, diagonale droite, gauche. Mais par contre, oui, c'est du jaune clair et du jaune foncé. L'intérieur, pas tout à fait comme l'autre. Euh, ah, donc, ça, c'est devant et le derrière, il est comme ça. Euh, oui, celui-là, il est quand même plus doux, le bleu, plus épais. Franchement, ça se vaut. Hein. Franchement, euh, ça se celui est plus doux. celui est un peu plus... Euh, moins doux. <laughs> Mais euh, ça a l'air de tenir chaud. Et le jaune, j'en ai reçu 2,60 m. J'en ai commandé 2,50 m. Donc, il y aura des surchemises dans ces deux euh, lainages. Euh, Peut-être que le jaune fait un peu plus synthétique. Je ne sais pas trop. En fait, ce n'est pas les mêmes... Euh vu, oui, à l'intérieur, c'est pas pareil. Là, il y a plus les fils, on voit plus les mailles, que là, c'est plus du doudou. Donc, voilà pour ces deux lainages que je suis très contente. Voilà, donc ça sera pour des surchemises. Ça, celle-là, celle ça sera sûrement une surchemise, mais courte en dessous les fesses. Que celui-là, vu que j'ai plus de ça ira jusqu'au mi, des mollets. Euh, voilà. Donc, voilà pour ces deux lainages. Voilà, qui vont aller au, au lavage. Je les ai pas encore lavés. J'ai aussi acheté, parce que j'aime bien les encres, une popeline. Une popeline. Voilà. Euh, une popeline noire. Euh, il y avait plein de, motifs, il y a plein de motifs. Il y avait plein de couleurs. Il y avait du rouge, du bleu marine, je crois, du bleu clair. Je ne suis plus sûre pour le bleu clair. Et puis des encres euh, euh, soit dans tous les sens, soit justement avec un sens. Moi je préfère les prendre dans tous les sens parce que comme ça on fait des économies de... On fait des économies de, euh, de, bah, de tissu parce qu'on peut les mettre nos pièces dans tous les sens, bah, en respectant bien sûr le droit fil, mais on peut mettre des pièces à l'envers, à l'endroit, et il euh, n'y a pas un sens d'encre de, à respecter. Euh, voilà, j'en ai reçu un j'en ai commandé 1,50 cinquante j'en ai reçu 1 m. 62 voilà, ça reste de la popeline euh, égale à leur popeline, peut-être un peu plus épaisse Ouf, à rien que celle que je prends d'habitude. Voilà, donc avec euh, l'extérieur blanc. Intérieur. et puis bah, pas d'élasticité je vous ai pas regardé s'il y a d'élasticité dans ce lénages. non il ah, n'y en a pas il n'y en a pas après on va passer euh, au euh, jersey de viscose euh, parce que dans ma dernière vidéo je vous ai montré deux t-shirts patidou euh, jessie donc dans des couleurs assez flashy, donc rose, saumon et bleu clair, bleu flashy, bleu, bleu flashy clair. Et je voulais une, une, un haut un peu plus passe-partout. Donc je me le suis pris en kaki, voilà. Donc un jersey de viscose euh, kaki, donc qui est très normalement extensible, oh, très qui est extensible dans le sens de la largeur, vous le mettez sur vous, et dans le sens de la hauteur, qui est un peu moins. Donc le gerget de, euh, de viscose commandé 1m20 reçu 1m20. Donc euh, voilà. Donc euh, ça reste assez fin. Vous voyez, le tombé n'est pas le même. Mais quoi, il n'est pas le même qu'un gerget de coton. Euh, voilà. Je vous montrerai après, j'ai un jersey de coton pour faire la différence. Donc euh, pareil que les ceux que j'avais, hein, c'est euh, euh, la même qualité. Donc voilà pour ce jersey de Viscose, 1m20 reçu 1m20. Euh, j'ai pris du jersey de coton pour mon conjoint pour lui faire des t-shirts Hercule euh, d'Urban Ferry. Euh, donc du coup, mais donc il y a du coup, il y en a partout. Euh, C'est un jersey de coton cognac. Voilà. Euh, commandé 1m30, reçu 1m40. Je ne sais pas si vous avez vraiment... C'est peut-être un peu plus foncé à la... à... en vrai. Mais voilà, cognac pour l'hiver, je trouve ça super beau avec un pantalon noir, beige, voilà. Donc je lui ai pris ça, donc vous voyez avec le jersey, le jersey de viscose. C'est pas du tout le même tombé, hein, c'est... Tu euh, vois il est un peu plus... et puis il est épais hein, le jersey de, de coton. Il est de très bonne qualité je trouve moi le, leur jersey de coton. Même viscose, donc élasticité dans le sens de la largeur dans le sens de la hauteur quand vous le mettez sur vous ouais c'est pareil hein. je dirais. donc voilà pour ce tissu jersey de coton euh, voilà donc un cognac et je lui ai pris un bleu marine euh, voilà donc commandé 1 m20 reçu 1 m30 donc, exactement pareil au niveau du toucher. Voilà. Donc, toujours pour faire un t-shirt Hercule à hein, mon conjoint. Voilà. Moi, je trouve qu'ils sont de bonne qualité. Voilà. Ça, le bleu marine pour l'hiver, ça va partout. Euh, pas de soucis, hein, franchement. Alors, ah, moi, je pense que c'est un fin d'un goulot parce que vous voyez sur toute la lèse, là. Sur le doigt, le, là où il y a le rouleau, il est accroché sur le rouleau, c'est effiloché. Voilà, vous voyez des trous. Mais franchement, euh, j'ai regardé sur le reste du tissu, euh, il n'y en a pas. Donc, il euh, n'y en a pas, quoi. De toute façon, on ne prend jamais euh, les bords du tissu. Donc, au lavage. Alors, comme vous avez pu voir sur mon bomber. Euh, euh, mon bon comme il s'appelle euh, de patitou euh, j'ai doublé mon tissu j'ai doublé mon manteau aussi euh, des Dirindo et, euh, et en fait je les ai doublés en popeline donc c'est faisable mais c'est vrai qu'au niveau des manches euh, quand on l'enfile après voilà euh, pour par exemple pour le Blue clean euh, vu qu'il est réversible bah, si j'ai envie qu'il soit réversible j'ai mis de la viscose à l'intérieur euh, bah en fait, pour euh, voilà, je voulais un intérieur noir, l'extérieur est en coton, donc voilà, pour qu'on puisse le mettre. Et par exemple, donc lui, il est réversible, donc je pouvais pas faire des manches différentes d'une autre matière. Mais par contre, pour mon trench, j'aurais pu au niveau des manches mettre une matière glissante, surtout au niveau des manches, peut-être pas forcément à l'intérieur, parce que comme ça, ça se voit. Mais au niveau des manches, j'aurais pu faire justement euh, une, une autre texture. Pour, euh, bah pour que quand on l'enfile, c'est plus pratique que d'apopline. Donc j'ai pris, moi euh, bon, j'ai un peu regardé des hauls, et euh, ce qu'on souvent, ce qu'on conseillait, c'est ce tissu-là. Alors je vous mettrai euh, dans la barre d'infos le nom exact, euh, parce que je ne sais pas, je crois que c'est du polystère, mais euh, ils utilisent euh, ça comme doublure. Euh, donc, c'est transparent, c'est glissant. Euh, Dans les vêtements, ça ne s'accroche pas. Euh, donc, du coup, j'en ai pris quand même un certain métrage. J'ai pris, je récupère mon petit post-it, euh, euh, commandé 2 mètres, sur 2 mètres. Voilà, bon, pas bah plus, pas bah moins, moi ça me va. Donc, pas d'élasticité. Voilà. Franchement, un envers, un endroit, j'en... Il y a peut-être un qui. Pfff. Franchement, euh, je n'ai pas l'impression qu'il y a un endroit, un endroit, un envers ou un endroit. Je pense qu'il y en a un, mais euh, si vous vous trompez, si c'est niveau des manches, euh, franchement, ou dans, sous une robe. En fait, c'est du tissu doubleur donc ça sera pour soit pour un fond de robe. Euh, si je fais une doubleur, une robe, soit pour des manches. Euh, bah là, je ne vais, vais pas me faire un haut avec ça. Hein. C'est vraiment transparent. Mais pour doubler, franchement, euh, ça rajoute une couche de. Vous voyez, deux couches. Si on double, euh, voilà, c'est quasiment plus transparent. Bah, je vois un peu à travers, mais euh, souvent, l'autre tissu que vous allez mettre par-dessus, il ne va pas être aussi transparent que ça. Non, logiquement, euh, c'est un peu plus opaque. Donc, de mètres reçus, 2 mètres. Je l'ai pris aussi en rose. En rose voilà. bah franchement je vois pareil qu'avec le noir euh, doublé ça fait ça hein, c'est un beau hein, c'est un beau rose hein. euh, reçu commander 2 mètres 50 2 m 60 voilà, j'ai de quoi faire. Quoique, ça peut partir vite en hein, doublure de robe. Hein. Toujours pas d'élasticité. Euh, voilà, euh, je trouve que le toucher fait un peu quand même polyester. C'est pas naturel. Mais euh, pour ce que je veux en faire, euh, ça ira très bien. Alors, Dresen Stoffen. Euh, tout le monde a commandé. Quasiment tous les Français, peut-être pas tous, parce que j'ai vu que certaines n'avaient pas commandé elles ont su résister. Bah, chapeau, franchement, les filles. Alors, j'ai commandé beaucoup de tissus, quoi, beaucoup de tissus, une dizaine, j'ai dirais. entre 10 et 15. Non, même pas, je sais pas, j'en sais rien. Et souvent, ben, quand il y a trop de tissus, ils ont eu beaucoup de demandes d'un coup. Et bien, il y a un tissu que je n'ai pas eu, ben, que j'ai eu, mais... Euh, C'est pas le bon. J'avais demandé une, une 100% viscose blanche avec un une imitation imitation peau de serpent mais euh, c'était vraiment sub, subtil et je me suis retrouvée avec blanc vraiment blanc je me suis retrouvée avec ça un tissu euh, violet et pas du tout de la viscose <laughs> euh, c'est une j'en avais déjà commandé de ce tissu et je n'ai jamais rien fait encore avec c'est de la texture <laughs> Donc de la texture, donc en fait j'ai l'impression que c'est ça, au niveau du toucher, quoique ça c'est un peu plus granuleux, euh, mais en largement plus épais, mais c'est du synthétique. Euh, donc c'est plus épais. Bon, moi je vois à travers, mais je pense que poser sur la peau, même... Je ne sais pas si vous voyez à travers, mais poser sur la peau... Euh, euh, poser sur la peau, ça... Euh, je pense que c'est opaque. Au pire, j'ai de la doublure. Alors ça, oh, il est tombé. Ça, c'est euh, ça, c'est fluide quand même. Alors, je ne verrai pas ça pour un, une chemise, c'est trop synthétique euh, près du corps. En tout cas, je pense que c'est pas trop agréable. Euh, je verrai ça. En tout cas, juste pour une chemise. Euh, en plus, c'est uni, c'est quand même violet. Soit je verrai ça en fait, en gros, pour une robe euh, une robe ou un pantalon fluide qui a quand même assez de tenue. Et quand je vous dis, c'est un peu transparent. Alors, en fait, franchement, je sais pas. Si vous avez déjà commandé de la texture, <coughs> dis-moi ce que vous avez déjà fait comme projet avec. Mais je pense qu'en une robe d'été, euh, euh, une robe d'été un peu cintrée, avec un peu de tenue, quand même, un peu une, une structure de robe. Parce que du coup, j'en ai à 1m50. Donc euh, c'est le métrage pour une robe d'été. Alors du coup j'ai fait une réclamation à Dresden Stoffen en disant en montrant les photos. Donc j'ai tout dit en français. Ils m'ont répondu deux trois jours après en me disant qu'ils me remboursaient mon tissu parce que celui-là était un euro moins cher que celui que j'avais commandé. Donc ils m'ont fait un, un bon d'achat de 5 ou 6 euros qui rembourse mon tissu donc en gros la prochaine fois mes frais de port seront qu'à 2 euros 3 euros euh, pour ma nouvelle commande au lieu de 9 euros ils seront à 3 euros bon bah en tout cas ils m'ont dit de garder le tissu de toute façon je ne les voyais pas leur renvoyer euh, à ma, en plus à ma charge donc j'en suis euh, bah c'est pas un tissu. Je, il m'aurait envoyé en place un tissu qui me plairait. J'aurais préféré qu'un tissu violet comme ça dans une matière pas terrible. Mais je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose avec. Donc on va voir si vous avez un petit commentaire, une petite idée. Dites la moi en commentaire. Et nous sommes bientôt au mois de décembre, bientôt Noël arrive, bientôt, euh, bah bientôt les cadeaux. Et moi c'est vrai que je je veux faire euh, du fait main, je trouve ça plus euh, gratifiant. Euh, bien sûr, il faut que les finitions soient un peu plus jolies. <laughs> en tout cas, il faut s'appliquer un peu plus parce que c'est un cadeau, il faut être plus rigoureux. Euh, voilà. Vous savez, j'ai deux sœurs, Marie et Aurélie. Euh, L'année dernière, au mois de mars-avril, je leur avais fait des robes pull et donc je leur ai envoyé une photo euh, de ce pull-là. Donc le pull patidou. Euh, euh, le pull euh, Naomi, je crois, je ne sais plus les noms, euh, que j'ai fait en rose, en polaire et ainsi qu'en sweat. Euh, et moi, le rendu et même vous, vous prenez le rendu euh, en jogging, parce que ce n'est pas de la polaire, en fait, c'est du jogging. Le nom, le nom sur Drissen Stephen. Donc voilà, le rose, en vieux rose. Je leur ai envoyé euh, la photo de toutes les couleurs et je leur ai demandé de choisir. Bon, déjà, si le modèle leur plaisait et que si oui, elles m'ont dit oui. Et une fois qu'elles m'ont dit oui, je leur ai envoyé les photos des couleurs et elles ont choisi leur couleur. Donc, pour la plus grande, elle a choisi un beige. Alors, elle le voyait marron, mais ça fait. C'est plus beige-marron. Et pour la moyenne, parce que moi je suis la plus petite. Elle a pris un bleu cobalt. Je ne sais pas trop comment on peut dire un bleu un bleu. Un bleu parois, un bleu marine, un bleu. Donc voici ces deux couleurs là. Donc pour les deux, euh, j'ai commandé 1m50 pour chacune. Euh, le bleu j'en ai reçu 1m70 et le beige 1m60. Donc, euh, attendez, je vais prendre celui-là. Il faut que je vous montre quelque chose. Donc, dans le sens de la du droit fil, hein, quand, pas trop d'élasticité, dans le sens de la hauteur, dans le sens de la largeur, il y en a un peu plus. Après, le jogging c'est Ce c'est pas du sweet, c'est vraiment un peu moins élastique. Ouais, elastane, je vous euh, Alors celui-là. Alors, la lèse, allez la chercher. Parce que les autres, il y a des petits points. Celui-là, euh, pas vraiment. Donc là, il n'y a pas de, beaucoup d'élasticité. Et là, dans un peu plus. Alors, entre celui-là et celui-là, je ne sais pas si vous avez pu voir, mais alors celui-là ressemble largement plus à, au rose que j'ai. C'est exactement le même. Euh, vachement plus épais. Quoi, vachement épais. Ah alors par contre celui-là, il est tout fin. Il est tout fin. Bah tout fin. Euh, ça fait quand même jogging, mais je dirais qu'il manque une épaisseur. Euh, même l'intérieur. Euh, euh, même l'intérieur, c'est pas. Tu il est vraiment tout fin par rapport à celui-là. Euh, vous allez voir, j'ai quasiment le même métrage sur la photo euh, au tout début. Vous allez voir sur la miniature. Euh, il est largement plus fin celui-là. Alors je ne comprends pas. Après, apparemment, euh, souvent, euh, ils le disent que certaines euh, souvent, c'est les... Euh, ceux qui sont achinés euh, boulogent beaucoup. Moi, celui-là ne bouloge pas. Le rose, l'orange que j'ai euh, bouloche, Mais je ne sais pas. C'est pas... Euh, je pense que le rendu sera bien aussi mais il sera moins épais. En plus l'habitant Bretagne, celle qui va avoir le <laughs> le beige marron. Bah tant pis. Il sera un peu moins épais. Voilà. Et puis moi ben vous savez hein, donc j'ai apprécié ce modèle, je me le suis repris en euh, vert euh, émeraude vert bouteille pour me faire le même pour moi. Euh, dans ce vert là, qui est j'ai l'impression le même que le rose et le même que le bleu, voilà plus épais, euh, bah, plus épais en tout cas que le beige. Je sais pas, le beige, euh, beige n'est pas de la même qualité. Et je pense que c'est pas un, le même qui teinte parce que pareil, hein, là il y a bien les petits points sur, euh, sur le bord que l'autre euh, c'est d'un bord accru. Je sais pas, ça fait bizarre donc là un petit peu et là beaucoup moins dans le sens de la hauteur en fait quand il est sur vous le tissu il se positionne comme ça euh, parce qu'on plie comme ça et donc là ça rentre et là en hauteur celui-là hein, pas... donc voici et j'en ai pris un euh, mètre cinquante j'en ai reçu un mètre soixante donc voici pour tous mes petits achats Dreessen Stoffen. J'en ai pris combien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 tissus. Donc il y a eu une erreur de la part de Dreessen Stoffen, mais qu'ils ont corrigé avec leur bon d'achat. Et par rapport au métrage, euh, j'ai eu exactement... Euh ce que j'ai demandé, voire quasiment 10 cm à chaque fois, sauf pour des tissus où j'ai exactement la même métrage. Et il y en a un seul où j'ai eu 30 cm de plus, c'est pour euh, mon lainage bleu-vert. Donc j'en suis très contente, parce que c'est là vraiment où j'en aurais voulu le plus, et j'en ai eu le plus. Donc je suis très contente, mais ce n'était pas obligé de leur part. Tout ça va aller au lavage, j'espère que ça ne changera pas, surtout les polaires. Euh, ouais, les polaires les jogging faut vraiment bien les laver euh, parce que apparemment une fois ça bouloche et une fois lavé elle ne bouloche plus pour certaines sauf les chinés apparemment qui boulochent beaucoup et puis le orange du coup parce que moi il bouloche bouloche vous verrez l'intérieur de mon mon pull orange et j'ai pris aussi j'ai jamais testé chez eux les les élastiques euh, donc voilà j'ai pris différentes tailles j'ai pris euh, du 10 mm, donc du 1 cm noir. J'ai pris du 8 mm blanc. Donc c'est vendu par 5 m. Et ceux-là, les 1 cm, c'est 3 m. Voilà. J'ai pris euh, du, du 1 cm euh, beige. Voilà. Je crois que c'est vendu par 3 mètres cela. Et j'ai pris du 4 ou 5. Du 4 ou 5 cm. 4 ou 5 mm. C'est mieux quand même. Voilà. Euh, je crois que c'est pas vendu par 3 mètres, donc j'ai pris 9 mètres. Euh... Voilà, il est assez... Il est assez résistant. Les autres, je les ai pas ouverts, mais oui, c'est vrai qu'il a aussi une, une grande résistance. Et ça, souvent, c'est pour faire les, vous savez, sur les, les tuniques, il demandent des fois de mettre un, un élastique au niveau de la manche. Et souvent, les tout petits, au niveau de la taille, des petits qui ça passe discret. Voilà, cela, ça, cela, j'en ai plus du tout. Donc là-bas, j'ai commandé cela. Et puis, j'en ai repris, du coup, d'autres tailles. Hein, parce que c'est toujours bien d'en avoir un peu d'avance. Parce que si on trouve un projet à la dernière minute, eh ben, on en a. Donc, voici, voilà pour ma vidéo haul. Donc, je n'ai pas attendu d'aller au marché euh, des tissus à bone pour faire cette vidéo. Je vous la publie avant. Si je filme, si je achète du tissu... Euh, au marché des tissus, je vous ferai une petite vidéo, je pense qu'elle sera courte hein, parce que c'est des tissus que vous ne pourrez pas forcément retrouver autour de chez vous. Donc, Dresden Stoffen, c'est un site euh, qui un, où vous pouvez euh, commander. Euh, que euh, bah, le marché des tissus, ça ne va pas vers chez vous, vous ne leur verrez jamais les tissus. Peut-être que d'un marché à un autre, s'il n'y a plus de stock, il n'y en a pas. Juste au moins vous montrer ce que j'ai trouvé et ce qu'on peut trouver sur ce genre de marché. Euh, donc ça sera plus court que là, euh, vraiment. Et puis voilà, tout ça, tout ça. Donc merci d'être resté jusqu'au bout. Hein. Je sais qu'en moyenne, les gens ne restent pas jusqu'au bout des vidéos. Donc merci pour ceux qui sont encore là. Merci d'avoir mis un commentaire, un petit j'aime. Et puis je vous dis à bientôt. Bye